est ici avec Louis Lavery et donc une partie, un match très compliqué aujourd'hui ici en Badalona. Oui, match compliqué. Bon, mauvais début, très mauvais début. On était presque, on était quasiment à moins 20 dès le premier carton, donc on a lutté jusqu'à la fin du match. Quoi. Après, on est revenu à 6 points, il me semble, ou 6 ou 5 points. Si mes services sont bons, mais bon, après, on partait trop loin et puis voilà. Hein. Le basket aussi, c'est ça. Hein, c'est vraiment vain, c'est être capable de revenir, mais aussi, bah, même si tu reviens, bah, tu perds quand même à la fin. Donc. Oui, donc voilà. Maintenant, pour la Copa de Rey, c'est toujours c'est une lutte très, très jolie. Avec oui, beaucoup c'est bien, de... mais après, nous, si on ne s'arrête pas la Copa, nous, comme tout basketteur, on aime juste gagner. Après, voilà, gagner la Copa, c'est beau, mais aussi gagner ici, si on a gagné ici, ce serait aussi beau. Quoi. Et donc, le mercredi, vous allez jouer avec les Limoges, donc c'est une équipe que tu connais très bien. Oui, non, c'est une bonne équipe, Limoges, un peu problématique, un peu comme Badalone ici. Mm-hmm. Mais bon, voilà, c'est l'Eurocup et c'est autre chose. D'accord, et parlant de toi, et donc, l'adaptation à jouer dans la Ligue espagnole par rapport à la Ligue française, comme ça va? Au début, ça va? Aujourd'hui, c'est un peu dur, mais bon, je joue que mes tirs, mais. Ça va aller. Ça va, c'est bien, c'est toujours mieux. Voilà, tu apprends un peu tous les jours. Tu apprends autre chose, c'est nouveau. C'est tout nouveau, enfin, mais tous les jours. Et avec Valencia, avec l'équipe et la ville. Non, tout est bien. Le club est bien, c'est pro, la ville est très belle aussi. Donc, c'est près de la mer. Donc, toujours heureux pour la décision que tu as prise d'aller jouer à Valencia. C'est... Oui, ça va. Ça va. Et donc, tu espères de rester là J'ai signé 2 ans, donc. Donc voilà. Et à voir si gagner quelque chose. Voilà, c'est ça. Parfait. Merci beaucoup. À vous.